Après Carhaix, c'est à Vannes que viendra s'installer le deuxième lycée d'Iwan. Une annonce qui tombe à pic. D'ici septembre 2019, l'établissement de Carhaix aura atteint son maximum d'élèves, soit 400 lycéens. Le futur projet immobilier est encore flou. Aucune date de travaux n'a été donnée. Une chose est sûre, il sera en grande partie financé par la région. D'Iwan est un acteur indispensable du fonctionnement de la Bretagne. C'était le sens de cette visite. Le soutien depuis des dizaines d'années du Conseil régional se poursuivra bien entendu. Et nous avons pu échanger sur le projet de lycée que nous avons évoqué, sur lequel le Conseil régional a déjà voté à terme dans le pays de Vannes. Un projet attendu depuis déjà une dizaine d'années. Certains lycéens font de vrais sacrifices de temps et d'argent pour venir à Carhaix. Je me lève à 4h40, j'ai un train à 6h à Saint-Nazaire. Je descends à Savenay, j'attends 20 minutes avec d'autres élèves. On prend un autre train, on descend à Redon, on prend un autre train pour aller jusqu'à Lorient. Et à Lorient, on prend un bus. Du coup, pour venir jusqu'ici, on arrive ici en retard pour les cours, du coup à 10h15. Autre déclaration importante, 3 millions d'euros de travaux devront voir le jour en 2020 sur le site de Kérempul. Une nécessité selon le directeur. Les CDI sont trop petits, on n'a plus de locaux administratifs dignes de ce nom. Point de vue santé, infirmerie aussi, on est chargé à bloc. Voilà. De belles perspectives qui s'annoncent pour le réseau d'Iwan. Assez en tout cas pour que le président de région tweet pour la première fois en langue bretonne. Je ne vous croyais pas de courir avec.